heard there was a prophecy about me? It would seem that the prophecy was referring to our annihilation. La mer des monstres est le deuxième volet de la saga Percy Jackson. C'est une aventure fantastique où un groupe d'adolescents en apparence ordinaire sont en réalité les descendants de dieux grecs dotés de pouvoirs magiques. Lancés dans une course contre la montre et en compétition les uns contre les autres, ils vont devoir traverser la terrifiante mer des monstres et combattre des créatures mythiques afin de récupérer la toison d'or, qui elle seule peut les sauver. It's in the sea of monsters, what the humans call the Bermuda Triangle. A quest for only our finest heroes. This is a bad idea. You don't even know what I was going to say. You were going to say that you're going out to the fleece. Actually, he was going to say we were. Hang on to something. Autre saga, Thor, cette fois inspirée du monde de la bande dessinée. Au casting, on retrouve Chris Hemsworth, Natalie Portman ou encore Anthony Hopkins. Mais pour ce deuxième volet, ce n'est plus Kenneth Branagh, mais Alan Taylor qui est passé à la réalisation. Thor The Dark World doit sortir fin octobre dans les salles. I must survive. Le deuxième volet de la saga Hunger Games doit sortir en novembre prochain. Dans une Amérique post-apocalyptique, le Capitole demande chaque année à ses 12 districts une fille et un garçon destinés à concourir à un jeu télévisé. Dans cet épisode, l'héroïne Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté les Hunger Games. Elle part faire la tournée de sa victoire. Au fil de son voyage, elle sent la révolte gronder, d'où le titre de cet épisode, L'Embrasement. Deux autres volets doivent suivre dans lesquels Julianne Moore devrait jouer l'un des rôles principaux. We have to go, Gail, before they kill us. They will kill us.